Salut à toutes et à tous, c'est Riveless et je vous retrouve pour la suite de Dark Cloud. Alors dans la vidéo précédente, j'ai pas fait grand chose de spécial, vraiment, mais vraiment pas grand chose. J'ai juste fait le 4ème et 5ème étage. Le 4ème, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai juste fait un duel. Donc c'était une introduction au duel et ensuite j'ai fait le 5ème étage où il se passait pas grand chose de spécial. Donc là je suis certain d'être préparé, puisque je suis allé voir le maire en fin de vidéo précédente, si je m'en souviens bien. 6ème étage, donc 8 sphères à récupérer une fois encore. Nous allons voir ce que ça va donner. Oh, quoi? Mon dieu, c'est le même chat que la dernière fois. Il me regarde, il y a une grosse clochette quand même. Et il a traversé le mur. Moi, je me suis toujours dit ça, bordel. Il traverse un mur. Oh non, il y a ça là-bas. J'ai pas envie. Mais tant que j'ai pas le blason de Dran, je suis obligé de... Viens d'abord là, le squelette. J'ai du bol s'il a le blason. Bon, un endurance plus, hein. Bon. Là, c'est vrai qu'il y a mon arme. J'aimerais bien l'améliorer avant le prochain niveau, parce que je ne savais plus si c'était niveau 6 ou niveau 7. Et maintenant que je suis dans le niveau 6, ça confirme ce que je... Oh, ma maison! Ça confirme ce que je pensais à propos du niveau 7. Qui va présenter des zones à restriction. Et qui dit restriction, dit truc pas sympa du tout. Parce que c'est restrictif, justement. Waouh, cristal magique. Je me dis, il y a trop de coffres, mais non, ça va encore. J'avais peur que ça inclue déjà les coffres vivants. Bon, je vais aller en bas parce que... apparemment, il y a deux monstres. Ah, ils sont cachés derrière une porte. Je déteste ça. Je déteste, vraiment. Quand même, j'ai peur qu'il y ait déjà une introduction au coffre animé. Oh, du fromage! C'est bon, le fromage. Oh, ah non! Lâche-moi, toi! En plus, c'est résistant, ces conneries! Ça se protège, c'est con. Oh, le blason! Enfin, je vais le finir pour ce qui reste de vie. Hein. Voilà, donc maintenant, quand je vois un ennemi que j'aime pas, je me casse. Et bien sûr, je ferai la même chose au prochain étage. Et en fait, je vous ai rien dit. En fait, je peux laisser les deux ennemis qui sont en bas tranquille. Bah oui, du coup. Pas con, Jean-Pierre. Je me pose la question, j'ouvre le coffre d'abord ou après? Au pire, je me fais juste emmerder. Bon, ça va. Une poudre d'évasion. Pas trop ce que je souhaiterais avoir en premier lieu. En fait, il n'y a pas tant de coffres que ça, mais il y a surtout beaucoup de... Oh, là-bas. Statut changé de l'arme équipée. Qu'est-ce qu'il a foutu à mon arme? J'ai pas compris. Je suis pas certain d'avoir... Il m'a modifié des trucs que j'aime pas à tous les coups. Ah, j'ai jamais de bol. Cette vidéo est faite pour vous montrer ce qu'il faut pas faire. Vous prenez pas ces machins là. Non, lutte-toi, je te laisse tranquille. Bon, une chauve-souris vient à toi. Tu vas voir ton volet, père. Plouf. La carte. Bonne banane. Franchement, une armure vivante, quoi. Tu dois te faire chier à longueur de journée dans un donjon. Vous faites pas des fêtes quelquefois le samedi soir? Ça va, mon rythme cardiaque est constant. Vous pouvez l'entendre. Ah, c'est vrai que ça devient lourd à force. Mais bon, faut optimiser la poudre réparatrice. La sortie est là. Je crois qu'il reste une sphère à récupérer.
Oh. Non mais... Voilà. J'y suis arrivé enfin. La carte. Lui, il me semble bien qu'il reste une sphère. Et après, je m'en vais. Faut quand même me faire le squelette. Arme en mauvais état, j'ai remarqué, merci. Réparation. Garrot troufion. On va chercher une logique dans ce que je viens de raconter. Oh, découpe. Quand vous voyez ça pour la première fois, vous avez cette réaction. Je sais très bien que c'est une pêche molle. Et non pas des... molles. Mais vous pouvez insulter qui vous voulez. Non, qu'est-ce que je raconte? René. Mon mari René. Non, c'est pas la même. Bon, ça va, il n'y avait pas tant de coffres animés que ça. Ah, je viens de comprendre. T'as peur de moi? Bah voilà. Et c'est quoi dans le coin là-bas? Bah là, je te laisse tranquille, toi et tes copains. Je suis tenté de dire, allez, je pars à l'étage suivant, mais... Non. Faut tout le temps sortir, tout le temps. Et... Ouais, je vais aller à l'étage suivant. J'essaierai de faire le prochain et encore celui d'après. J'ai bien dit essayer. Non, pour me rattraper sur la vidéo précédente. Non, j'ai dû me presser pour X raisons. Aussi bien au niveau temporel qu'autre chose, quoi. À quelquefois, on fait des enregistrements et quelquefois, on entend « Viens manger !» ou quelque chose comme ça. Ou tu regardes l'heure, tu te dis « Je vais être à la bourre pour aller faire les courses ou aller à un rancard ou autre. Enfin, » ça craint quand même d'enregistrer au lieu d'aller à un rancard. Maintenant que je le dis, « Non, c'était... Pourquoi je vais passer ?» Donc, je vais voir le maire. Comme d'habitude, pour réparer. Ah, c'est surtout ça, hein. C'est mon stock de poudre rêvée paratrice illimitée. Ah oui, même pour 4 PFP, c'est essentiel, hein. Ça peut sauver la vie. Sur le gratos, ça vaut un coup ou deux, selon les ennemis. Et maintenant, je vais direct au suivant, et là, le suivant, il est particulier, c'est là que le jeu n'est pas aussi monotone que ça. Quand on connaît pas le jeu, et ben voilà. Alors ma maison, je sais comment il faut la placer. C'est quand je voulais la mettre là. Tant pis, je vais la mettre ben, ici. Non, au pire, je vire ça. Maison de Jules, la roulotte de Jules, je la mets ailleurs. Moi, ma baraque, je la mets là. Je crois qu'en plus... Non, parce qu'en fait, elle doit avoir une orientation spéciale. Et je crois que celle-là, c'est la bonne. Ça, je le déplace de l'autre côté. Ça, je le déplace... Là, comme ça je mettrai un truc derrière sa maison, je sais ce qu'il faut mettre. Non, je pense un peu tout seul. Je parle avec moi-même là surtout, mais... Je sais comment je dois placer chaque personne dans ma maison. Il y a moi, mais je peux pas me placer puisque ça compte pas. Il y a le lama, il y a le tonneau. Faudra que je lui parle pour savoir ce qui manque. Oui, je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre dans ma maison et... la boîte à bonbons, donc c'est Claude, à la limite je peux faire sa maison tout de suite, enfin la finir maintenant. Mais j'ai pas envie. Et du moins pas maintenant. Ah oui, merde, je viens de le voir, l'étang. Ah d'accord. Je vais virer ça. Ouais, d'accord, il veut replacer les rivières. Je me dis merde, j'arrive pas à le placer. En fait, le monsieur là, le père de Paige, il veut être à côté de l'étang. Alors moi, je réponds à ses souhaits. Voilà, bah en fait, j'ai déplacé les rivières pour rien. Ouais, à la limite, je peux changer l'orientation de sa maison. Je me galère avec le menu. Ouais, mais après, ça fait qu'il est trop loin. On va le laisser là et puis voilà. Hein. Ils vont pas nous emmerder. Et on est reparti pour un nouvel étage qui, celui-ci, sera plus difficile.
plus chiant et on aura envie de le finir en vitesse grand V, ce qui est déjà mon cas avant même qu'on y ait mis les pieds. Alors combien de sphères ? 2 à récupérer. Mais là, honnêtement, il va y avoir du sport. Ah oui, franchement, comparé aux autres étages, c'était de la gnognotte. Hein. Et c'est pas une question d'armes. Enfin, si, un petit peu. Bon, le vieux va nous faire un petit tutoriel, encore une fois. Et je crois que c'est la dernière fois qu'on le verra. Parce qu'il nous aura mis au parfum pour tout. Bah, bien sûr, hein, chapitre suivant, écoute-moi bien. Ah, les arrières-salles. J'en avais parlé brièvement dans quelques vidéos. Ouais, à toi de découvrir comment entrer. Bah oui, parce que ça change selon les donjons. Alors, les arrières-salles, il y a des coffres hein, très intéressants. Mais les monstres, ils sont plus méchants. Donc, les monstres, ils sont en pleine forme. Donc, ils ont deux fois moins mal, mais ils font deux fois plus mal. Et les trésors qu'on peut y trouver, on peut trouver, par exemple, des pierres précieuses. Donc, ça vaut le coup d'y aller. Les risques sont plus grands, mais voilà. Faut au moins tenter sa chance une fois, comme j'ai un bidon, mais là, comme j'ai pas les armes. Et là, les zones appelées zones de restriction, comme l'étage où je suis actuellement. Et ouais, les zones de restriction nous restrictent. Nous restreignent. Oh, j'ai du mal avec ce mot. Oh là là, je vais me faire insulter par tout le monde. Oh, il sait pas conjuguer. Là, c'est du verbe restreindre, mais. Bon, enfin bref. Là, par exemple, à cet étage, qui est une zone de restriction, quand on va tuer un mob, au lieu de gagner des PA, on va en perdre. Voilà, si tu utilises une arme, à ce niveau, les PA sont réduits et tu ne peux pas changer d'arme. En gros, si tu es équipé de ton arme principale, que tu te dis « j'ai pas envie de perdre en niveau », alors vous devez voir sûrement ma jauge qui descend. Mais il est résistant lui. Mon dieu. Bon voilà. Maintenant que j'ai le blason, je suis plus obligé de bâcher du mob. Maintenant il faut que je trouve les deux sphères pour passer l'étage suivant sans problème. Ça sert à rien que je remette mes PA à zéro quoi. Surtout que je suis presque au niveau suivant. Alors avec le bol que j'hésite vraiment à prendre le bidule bleu. Oh, un bidon! Bah avec le bol que j'ai, je vais quand même le prendre. Les fonds ont augmenté. Oh, j'ai bien fait. J'ai quoi? Au lieu d'avoir 200 sous, j'ai amené 220. En effet, la différence est hors norme. Mais c'est qu'il y a du monde. Vous avez vu, ils sont pas si curieux que ça. Bon, j'avoue, j'ai quand même une bonne def. Ah, d'accord, c'est là-haut qu'il faut que j'aille. Je reprends une petite douche. Enfin, un bain, carrément, c'est plus une douche, là. Et dis donc, c'est qu'il y en a de la chauve-souris, hein. Je sais bien qu'on est dans une grotte, mais tout de même. Bon, on va quand même prendre le contenu du coffre. Si c'est la carte, je suis deg. Ouais, une eau supérieure. C'est encore mieux que de l'eau goûteuse. Bon, maintenant il me reste trouver la sortie. Je pense que ça va plus être trop dur à trouver. Je vais quand même prendre le coffre là. Allez, allez, dépêche. Bon, une attaque plus 1. C'est bon ça quand même. C'est bien. Je récupère des objets sympas. Je crois que je ferai pas le prochain étage tout de suite. Je veux dire, je carbure bien, mais là. Je choisis encore mon moment pour enregistrer. Oh non, hey, ils veulent m'enfermer. Non, je refuse, ils veulent me racketter. Ça veut pas dire que mes sous ont augmenté, que c'est une raison pour me racketter. Je suis contre, totalement contre. Ah bah, je vais sortir de là. Donc. Voilà. Sortons vite d'ici. Ah, je déteste les zones de restriction. Sortir temporairement. Ouais, le prochain étage, c'est un étage à duel aussi. Mais de toute façon, je serai obligé de le faire, mais je serai bloqué. Alors là, je vais passer mon temps à construire. Si on peut dire ça comme ça. Bah ouais, je vais remettre. Je sais quoi de trucs que j'ai chopé? Chopé Jules? Ouais, je peux tout de même l'installer, mais je dois pas finir sa roulotte. C'est-à-dire que là, je l'installe, mais je vais pas lui parler pour savoir ce qui manque. Je sais qu'il y a son enseigne et je sais qu'il y a ses marchandises qui sont ici. Claude, je sais comment. Le problème, c'est que Claude, faut que j'étudie le truc. C'est qu'il y a un moment, enfin selon le moment de la journée,
il a, selon le moment de la journée, il nous donne un objet différent. Il y a des objets que j'affectionne beaucoup moins que d'autres. Donc je vais quand même essayer de parler à Dick. Hey Dick. Ouais, ça va, bah, quel Ivoirien qui nous a fait ça? Bah, il est gros et jaune, il joue pas dans Dragon Ball Z, hein, c'est sympa. Comment tu fais de la construction? Tu sais que j'aime pêcher, ok, ça répond à la question. Ouais, bon, vivement que je la récupère, Paige. La roue. D'accord, et donc moi, ma mère, elle est où maman? Maman. Bon, j'arrête les conneries quand même. Je passe pour un taré. Ce n'est pas faux. Non, je vais arrêter là. Ouais, Zanin, tu te fais du souci, blabla. Comment tu sautes la construction? Oui, donc je crois qu'elle est bien placée. Tu ne penses pas que vivre ici tous les deux est un peu solitaire? Non, on est deux, on n'est pas seul. Que dis-tu? Juste une souffle. Chez moi, je n'ai pas de cheminée. Non, voilà. Bon, je vais donc finir. Parce qu'en fait, vous avez remarqué, dans ma maison, celle du héros du jeu dans le jeu, un compagnon à longue queue. On a vu un chat tout à l'heure, il n'y aurait pas un lien. Je vais déjà caser la cheminée et le placard. Comme ça. C'est pour ça que je dis que je ne pourrais pas finir ma maison tout de suite et que je vais devoir la finir. C'est une obligation. Ah bah tiens, je vais finir la roue. C'est con que j'ai pas Paige, parce que sinon je l'aurais remise là et je crois qu'il lui faut une lampe, parce qu'elle a peur des monstres la nuit, etc. sur une lampe, enfin bref. Et puis, elle nous donne un truc sympa quand on finit leur maison. C'est un agrandissement de l'inventaire. Mais bon, l'agrandissement de l'inventaire, pour le moment, c'est pas ce qui me préoccupe le plus, puisque je passe tout mon temps à courir chez le maire à chaque fois, après une petite session en donjon. Ah, un petit coffre. C'est pas maintenant que... Hein? Ah bah oui, j'ai tapé deux monstres et puis c'est tout quoi. Enfin deux, trois. Oui, c'est ça, trois. Et puis je crois que c'est tout. Et je vais conclure là-dessus. Parce que j'ai envie d'être en pleine forme pour la prochaine vidéo et j'estime que ça fait déjà une bonne vidéo. Enfin, je pense. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude, hein. Je lis toujours vos remarques, tout ça. J'y fais toujours attention, je réponds toujours. D'accord, changement de journée, génial, super. Enfin, changement de moment de journée, parce que changement de journée, c'est la nuit. Et avant le matin, il y a la nuit quand même. Et puis voilà. Donc mes gens, je vous remercie d'avoir regardé. Oh, bah qu'est-ce que tu fais le soir, la nuit? Tu regardes la lune? Merde, c'est pas le bon bouton. Oh, elle a disparu. Bon, mes gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu, parce que si ça vous plaît... Ben, ça me rend deux fois plus content parce que je suis content toujours de faire mes vidéos et je le suis d'autant plus si elles plaisent. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus dans la prochaine vidéo. Plein de nouveautés. J'en dis pas plus parce que moi je sais ce qui se passe après. Mais voilà quoi. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Dark Cloud. Allez, salut!